maintenant l'homme le plus fort de la troupe. De la troupe tout feu tout flamme. Allez, allez chercher l'homme le plus fort de la troupe. Allez. Oui, c'est lui. Oui. Au hasard, c'est lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ta maman? Je ne sais plus, vous les suivez. Bon, alors, oui, c'est toi maintenant. Oui. Oui. Voilà. Allez, vas-y maintenant. Allez. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, on passe maintenant à Patrice Rabhi, couleur locale, accordéon chromatique. Il m'a dit que ses morceaux étaient courts. Alors peut-être en fera-t-il un troisième. Patrice Rabhi et son accordéon. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui! C'est bien, je ne vois pas très bien, mais c'est pas grave. Pourtant, je suis à peu près le seul à avoir rien vu ce soir. Ben, moi, je suis accordéoniste, vous connaissez, je pense. Je chante pas, parce que si je me mets à chanter, il va encore pleuvoir plus. Donc, je crois qu'on en a eu assez. Voilà, je vais jouer un petit air d'accordéon. Je ne vais pas vous jouer du musette, parce qu'à l'accordéon, on entend beaucoup souvent du musette. Je vais vous jouer quelque chose de différent. Bon, voilà, je vais commencer. Remarquez, on a tout le temps. Finalement, il n'y a rien qui nous presse. Hein. Tenez, en parlant de presse, ça fait penser à quelque chose. En parlant de presse, je voudrais commencer par un morceau de science-fiction, le thème de 2001, Odyssée de l'espace, parce que finalement, la presse, c'est un peu comme la science-fiction. C'est quelque chose qui doit se passer, qui doit venir, qu'on doit voir, et on ne sait pas si ça va arriver. Voilà, je dédie ce morceau à tous les rédacteurs en chef du journal. Un peu trop là, non? Ouais. Ok. Très bien. Voilà. Thank you.
Thank you.